Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais vous présenter le deuxième DLC de Destiny, House of Wolf, la maison des loups. Donc nous sommes sur le nouvel espace social du jeu qui s'appelle le Récif. Je vais essayer de... Non, je le montrerai sur la carte après, pour vous montrer un petit peu de quoi il en retourne. Donc ici vous aurez votre proposé au contrat. Proposé. Ce sera le même que sur la tour, donc rien ne change. Au niveau des coffres, vous les voyez, voilà un petit look à la Dead Space un peu, j'ai trouvé ça assez stylé. Votre commis de poste qui vous attendra si vous perdez un engramme ou autre, qu'il est bleu ou plus, ou qu'il ait des objets à vous donner. Les nouveaux contrats pour monter votre honneur. Du côté de l'Ire de la Reine qui fait son grand retour, je vous rappelle que l'Ire de la Reine était un événement hebdomadaire qui était paru sur Destiny la première fois avant d'avoir la bannière de fer. Donc là voilà, vous aurez vos missions pour monter et ainsi acquérir du stuff. De ce côté, vous avez Varix, un déchu qui reste quand même loyal envers la reine et qui vous proposera divers items comme vous pouvez le voir, des cartouchières, des vaisseaux, des couleurs et du stuff. À savoir, donc du coup, la grosse nouveauté avant que je m'attaque au Cryptarch. Le niveau, du coup, vous pouvez monter jusqu'à 35 ou 36 en lumière, je ne sais plus exactement, mais la grosse nouveauté, c'est que peu importe le stuff que vous allez avoir, vous pouvez le monter avec l'ascension. Ça vous demandera donc quelques composants des lumens et une lumière éthérique. La lumière éthérique, elle s'obtiendra, d'après ce que je sais, en faisant ce qui remplace le raid, car oui, il n'y a pas de raid pour ce DLC. Vous allez faire la prison des vétérans. Si vous la faites dans les deux derniers niveaux de difficulté, sachant qu'il y a 28, 32, 34 et 35, vous pourrez obtenir une lumière éthérique et ainsi upper vos stuff jusqu'au max en fait. Et, par exemple, vous voyez, j'avais le gars là et je l'ai monté 365 qui est le maximum pour l'arme. Or, après, je reste avec des armes 331. Si je veux le monter, il passera en 365, mon SOS Vengeance, mais je ne perdrai absolument rien, tout restera tel quel, donc c'est ça qui est vraiment super et ça s'applique aussi pour le stuff, donc c'est déjà un gros gain de temps. Facile à faire pour les objets exotiques, car cela ne demande que des éclats exotiques pour faire l'ascension. Or pour d'autres objets tels que voilà celui-là, ça demandera la fameuse lumière qui demande quand même un certain skill pour aller faire la prison des vétérans. Donc voilà, ça c'était la grosse chose à dire. Bon, mais du côté du Cryptarch, ça, vous savez comment ça marche. Attendez-vous à recevoir plus de 10 000 lumens dès que vous aurez le DLC. Donc ceux qui sont en rade de lumens, vous allez en recevoir pas mal en faisant l'émission. Et ça, c'est Monsieur PVP. Donc voilà, il vous propose de faire des tournois et vous aurez divers articles à gagner. Oui, vous voyez bien, il vend aussi carrément des tickets contre des lumens et voilà, un certain nombre de victoires. Dans les modes PVP. Donc ça c'est à peu près le social du récif, c'est la nouveauté. Et pour illustrer ma vidéo, rien de mieux que vous montrer, j'avais fait une mission avec Rochi pour The Dark Below dans le premier DLC. Et bien là cette fois-ci, je vais carrément faire la prison des vétérans, ce qui remplace entre guillemets, enfin ce qui ajoute vraiment un nouveau vent de fraîcheur, en compagnie... Je suis actuellement avec Rome642 et je vais le faire avec lui. Du moins, j'espère que ça va marcher. Qu'on puisse pouvoir parler enfin dans une partie et que ça ne fasse pas un blanc comme dans Zombie Army Trilogy. Voilà. Nouveauté aussi, vous aurez la reforge du côté de la tour. Que je vous montre du coup. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est le Gus? Ouais, il est là-bas. Non, alors je vais pas le bouger. Quand vous irez sur la tour... vous aurez qu'à aller voir le vendeur d'armes, vous savez, en haut à droite. Il vous permettra de reforger votre arme. Imaginons que votre arme, par exemple, ne vous plaise pas. Les stats ne vous plaisent pas. Vous pouvez la reforger et tout sera modifié. Et donc, du coup, vous pourrez gagner, par exemple, si un bazooka, par exemple, vous plaît pas, qu'il n'a pas le tripode, vous pourrez, par exemple, tomber dessus si c'est possible pour cette arme. Genre, voilà, je savais, par exemple, que le remède proposait une roquette, voire deux, voire même... peut avoir le tripode, donc du coup ça peut switcher entre, ça pourra avoir les petits éclats d'obus après explosion, plein de choses comme ça, donc ça peut être vraiment sympa de reforger son arme pour qui bon lui semble être,
être justifiable, quoi, si en fonction de votre style de gameplay. Et puis après, le guide, lui, devient un vendeur prioritaire. Il vendra tout ce qui est. Ben, il peut carrément vous vendre des lumens. Il pourra vous vendre ben, les éclats, des éclats d'ascension. Il pourra vous vendre. Enfin voilà, il vend un petit peu de tout maintenant. Ça devient vraiment le vendeur polyvalent. Donc voilà, ça offre aussi un nouveau point de vente. C'est cool. On pourra aller voir Monsieur Tampax Blanc en haut de sa tour. Voilà, donc sans plus attendre, ben, je vais scinder ma vidéo en deux, nous retrouver directement sur le mode du récif avec Roms. Sur ce, je vous dis à de suite, ne quittez pas. Cependant. Donc. c'est magnifique, ça pourra enchaîner. Alors, comme je le disais. On parlait de la prison des vétérans qui remplace le raid pour Destiny. Et là, nous allons faire la maison des loups en niveau 28, si tu le veux bien. Le veux-tu ? Ah, tu sais pas, je sais pas trop. Le premier rendez-vous, jamais, je sais pas. On m'a dit de pas parler aux étrangers. À savoir donc du coup qu'en 28, comme tu l'as déjà fait, il y a donc du coup 4 stages random plus un boss à faire. J'ai réussi à faire le 32 avec Rochi hier, figure-toi, à 2, et il y avait 3 stages et 2 boss, et les deux autres, on ne sait pas, c'est niveau 34 et 35, mais on a l'apparition de la lumière éthérique qui nous permet du coup enfin de monter notre stuff et d'atteindre le niveau, c'est 36 le max, il me semble. Je sais pas, j'avais un doute. Ou est-ce que c'est 35? 35 ou 36, je sais plus. 35. Bon, on verra de toute façon. Lançons la prison des vétérans sans plus attendre. A savoir que pour la prison des vétérans, je crois qu'il y a un système de matchmaking, et uniquement pour celui-là. Voilà, tu vois, ça nous fait rechercher un autre gardien, mais pour les autres, on l'aura dans le cul. Dans le cul, la bigonnette. C'est magnifique. Eh bien alors du coup, manière de meubler la conversation pendant un super temps de chargement, qui est si long à mon goût depuis que Destiny est sorti, au moins ça y est, on entend enfin ta sublime voix, parce que je te rappelle que dans ma dernière vidéo, tu étais avec moi dans... c'était quoi ? Dans Zombie Army Trilogy. Ah là là. Avec notre Eden Hazard. Aïe aïe aïe. Bon, et toi, de ton côté, alors, voyons ton ressenti, qu'est-ce que t'en as pensé ? Pas de raid, mais une prison des vétérans, un petit peu plus de subtilité dans le jeu, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu es déçu de ce DLC ou pas ? Bah, j'ai regardé des trucs de niveau supérieur, ouais. Là, et les boss, ils sont... Ouais. Ils ont gravé les liens, en fait. C'est vrai. C'est super cool. Tu as raison. Dans la prison des vétérans. Au pire, ça remplace le rêve. Oh oui. Et survivez. Bon, alors, du coup. Réapparition limite. Ah, oh. J'ai 4 balles. C'est parfait. Bon, remarque, on va plus se faire la gueule au niveau des cartouchières, vu que Xur nous les vend pour 3 fois rien. Tu es laid jusqu'au dernier. Ouais. Donc. Enfin, après, il y a la technique du. Oui, aussi. C'est vrai. Ah, nous tombons avec un niveau 31 qui sait apparemment ce qu'il faut faire. Donc, nous sommes dans l'arène Vex. Yes. Nous sommes en ascension. C'est tout à fait. C'était fait exprès. C'était calculé pour vous, messieurs dames. Wallet. Si en plus, on commence à m'attaquer. J'avais pas prévu qu'on m'attaque en fait pendant cette vidéo. Mec. Bon, mais je vais arrêter la vidéo. Non, PLS. Position PLS, laissez-moi tranquille. Moi, je suis pas avec eux. Je suis pas avec eux, je ne les connais pas. La preuve, ils me tirent dessus. Du coup, ouais, je me demande sur qui on va tomber. Donc, je l'avais fait une première fois avec la ruche en boss final. On avait une sorte de mini-cropta.
sur les cabales, on avait un gars qui changeait son armure au fur et à mesure. Non, ça je l'avais fait en 32, donc il changeait son armure à chaque fois qu'il la reprenait. Pour l'avoir fait en normal une deuxième fois, ben, en fait on s'en bat les couilles, il n'a pas d'armure. Donc du coup, ben voilà, à noter que si on le fait dans un niveau supérieur, les boss auront un effet supplémentaire que l'on ne peut connaître en niveau 28, mode où nous le faisons actuellement. Et puis à vrai dire, si on a choisi 28, c'est pas parce qu'on est des merdes, non, c'est parce que voilà, une vidéo, voilà, hein, ça met peu de temps, donc faut la faire en très peu de temps, mais là j'ai pas envie de perdre trop de temps. Ah, les bombes à slow, voilà, les fameuses bombes de slowdown. Font bien chier. Ah, moi j'aime bien répéter. Ouais, après on peut les exploser. Ça explose comme une sorte de Betty, mais ça met au moins 5 secondes avant de s'enclencher, donc on a le temps de l'éclater. Donc toi, tu me dis que tu avais une clé pour ouvrir le coffre au trésor à la fin. Bon, ouais. C'est parfait. Alors si tu le veux bien, je te demande dans ton extrême gentillesse de claquer ta clé pour que nos visionneurs puissent voir ce qu'il en retourne. Oh yes. Grâce à toi, je vais ajouter du contenu. Enfin, oui, t'as celui de gauche et de droite qui est valable pour tout le monde. Et ensuite, t'as le coffre du milieu sur la clé que tu peux gagner. Et les clés, je le rappelle, on le gagne en faisant les contrats, en allant tuer certaines personnes, les loups à tuer sur le cosmodrome, la lune et Vénus. Et sur le coffre en clé des terres, peut le trouver. C'est rare, comme tu m'as dit. Sur combien de coffres tu as fait, t'en as trouvé une? Oh putain. Ah ouais. 30 coffres pour une clé. Donc vous voyez le ratio, 31, c'est génial. Enfin, plutôt 1,30, comme quoi on est dans le négatif le plus absolu. Autant aller jouer au loto. Limite, on aura peut-être plus de chance. Non mais néanmoins, pas de raid et j'ai envie de te dire que je m'en bats un peu les steaks en fait. Et vous ? Non. Ouais, je trouve ça sympa au moins, c'est ça reste dans le PvE, moi qui adore le PvE, donc du coup, enfin moi j'aime pas du tout le PvP, ouais. Moi ça me... De toute façon, on se dirait... C'est ça. Donc on a le first stage terminé. Après c'est comme un... Oui, en quelque sorte, de toute façon, oui, on a affaire à du PVE, il y a un boss à la fin, il y a plusieurs stages, donc oui, pourquoi pas. Donc là, on a fait les Vex, les portes s'assimilent aux différentes races, vous voyez que ça, ce sera les déchus, là, il y a le bouclier Cabal, et là, il y a le truc bizarre de la ruche. Les déchets fécales de la ruche. C'est dégueulasse! Néanmoins, quand même, si ça doit sortir de ton orifice, tu dois vachement avoir mal. J'adore! Je mange épicé rien que pour en chier quand j'y vais! Oh non! Oh non! Oh, j'ai failli ma grenade! Putain, j'y crois pas! La bite! Je la jette et il y a une fine paroi là et elle tape sur l'angle quoi. Fuck. Bon là on est dans l'autre système, donc on fait la cabale. Et oui, c'est la cabale et non le cabale. Et donc du coup on va avoir des objectifs maintenant, on va avoir les fameuses mines je suppose. Non, c'est dans la troisième. Ah, moi il me semblait que ça apparaissait dès la seconde. Enfin, dès la deuxième vague du second stage. Et on aura peut-être un cadeau. Donc l'arme TPS qui est le bazooka. On a eu l'épée dans le premier... Enfin, le bouclier dans le premier... Enfin, dans Destiny 1er du nom. Dans le Dark Below, l'épée a été rajoutée. Et maintenant, c'est un bazooka qu'on a en arme TPS. TPS qui, je vous le rappelle, c'est l'arme qui vous permet de voir votre personnage en caméra de derrière. Ah, tu vois, je te l'ai dit, objectif crucial, on en a un. Voilà. Donc, si c'est un objectif crucial, c'est quoi? Ah, c'est... Faut la péter. C'est une mine à exploser, pas à désamorcer. Et donc, inutile de vous le dire, si à la fin du compte à rebours, elle n'est toujours pas explosée... Mais c'est pas vrai, je fais mon ulti, parce qu'il y a un psion qui a volé, qui a sauté, qui a mangé mon ulti. J'y crois pas. J'ai fait du tir au pigeon à la bande Nova. Mais merde. J'y crois pas. Je suis au fond du seau, là.
suis pas mort. C'est pas vrai, je suis pas mort. Regardez. Voilà. Donc, ce sont des mines à éclater. Normalement, on peut les désamorcer. C'est une... Il y a une sorte de halo blanc en dessous. C'est comme une capture de flag, en fait. On se met juste en dessous et puis ouais, ça se désamorce. Gardien à terre. Waouh, mais c'est qu'il y a beaucoup de monde là. Mais c'est pas vrai. Le Psion s'est aussi mis devant moi. Parce que j'avais le tiré au Galahorn. Mais c'est pas vrai, ils se mettent tous devant, con. Ah, mais c'est cassé. Oh merde. Ouais, il s'est barré. Je me demandais pourquoi on était mort. Bon, c'est le tour 2. L'avantage, c'est qu'on peut réapparaître au tour où est-ce qu'on s'était arrêté. Les dégâts des armes principales sont améliorés. Yes. Oui, vous avez aussi des petits bonus durant les stages. Enfin, des effets qui s'appliquent durant tout le stage. Donc, comme par exemple, les munitions qui tomberont ne seront pas celles de l'arme avec laquelle vous avez tué votre adversaire, par exemple. Ce qui est très très chiant, par exemple. Inutile de vous le dire, quand on a... Ouh ! Yes. Quand on a un bazooka, on aimerait que ça tombe. Et puis non, on a que des munitions de sniper. Yes, ma grenade est passée. À ras. J'ai cru que j'allais la rater encore une fois, mais bon. Toi, ça va, tu t'en sors ? Inch'Allah, hein, ça va. Parfait. Je ne savais point comment le dire. Phalange. Oui, phalange. Phalange du poignet. Qu'il est gros le poignet. Mais tu as un gros poignet. Imagine si quelqu'un t'accoste dans la rue en te disant tu as un gros poignet, dis-moi. Enculé, je fuis moi. Là je me barre là par contre. Là je suis tombé sur fou de niveau 4 là, je crois que là je. Tu as des beaux poils. Oh merde. Mais comment le sait-il déjà, premièrement? Des renforts cavaliers. Je m'en vais. Détruisez-les. Je suis coiffeur. Tu as de beaux points. Vous mourrez. Bim, grenade pour boucher l'entrée. Pour qu'il n'y ait plus d'option. Ah merde, il y a une mine. C'est toujours des mines à exploser. Ah. Je vais y arriver. Ouais, merci. Aïe. J'essaie de fuir et pourtant j'ai des cabales qui arrivent. T'essaies de fuir à un endroit et t'arrives sur un spawn quoi, putain. Ok, la mine c'est bon. On va d'abord s'occuper, ouais, à savoir qu'il faut d'abord quand même s'occuper des mines parce que vraiment c'est les seules choses qui peuvent réellement nous tuer quoi. Vraiment, vraiment quoi. Voilà. Ok, il y a plus de mine. Vous avez réussi. Voilà. Voilà. J'en avais marre de perdre mon temps. C'est bon. Il en reste combien? Il reste une phalange là-bas. Il reste quelque chose à ma gauche. Où es-tu? C'est un Psion. Ah, on a le cadeau. Tu veux le prendre ou pas? Des cabales avant le fameux bazooka, l'arme en TPS. Trouvez les mines et détruisez-les. Donc, 10 balles, jouez l'économie. Ah, la mine est derrière moi. Je vais y mettre une roquette histoire de. Voilà, fini là. Merci. Ah ouais. Ouais, ouais, la roquette, ça fait pas de cadeau. Où est-ce qu'il y a d'autres mines? Elle apparaît pas. Non, en fait c'est parce qu'il y est pas. Ah, dégage. Si, l'autre mine est là-bas. Ah putain, il y a un Psion qui est devant moi. J'ai peur de me bouffer la roquette du coup. Voilà. Allez, j'ai plus de bazooka. On va en faire avec. Blèche. C'est bon, j'ai récupéré une munition de Galahorn. Wouhou! C'est la fête, c'est la joie. C'est les soldes chez Mobalpa. D'accord, c'était de la merde. Ah, il est là. La victoire
éteint. Putain, mais j'y crois pas, j'ai failli crever en chutant. Oh, mais la brêle quoi, modificateur retiré, ça y est, on a fini. La cabale s'est terminée. Donc on peut dire en somme qu'on en est à la moitié. Non, on pourra dire qu'on est officiellement à la moitié, qu'on sera à vague 2 du prochain stage. Ouais, vu qu'il y a le tour 5 et que 5 divisé par 2, bah ça fait. Voilà. 3. Donc voilà, on s'arrêtera au tour 3. Donc voilà, vague 1, 2, tour 3, on pourra dire qu'on est à la moitié. Et on a gagné 10. Oui, on sait qu'on ira. Oui, les trésors sont ici. Après le tour 5. Ah, c'est la ruche. Les boucliers sont renforcés. Peut le temps de dire la suite. Je sais pas si j'ai pas eu le temps ou alors si le message s'affichait et a disparu très vite. J'ai pas eu le temps d'analyser. La ruche. Oui, c'est ouvert. The door is open, man. Come on. Bon, ici il va y avoir un superbe ogre qui va apparaître. On le sait, on est en 28, on l'a fait plein de fois. Je ne parle pas l'espagnol. Pourquoi? Ah, parce que j'ai dit ogre? Ah non, parce que j'ai dit door is open. Oh merde. Oh bordel. Je vais faire comme si je n'avais rien dit. Arrête, me parle pas allemand. Moi? Il faut vraiment que j'arrête de viser au gars là de près. Je risque ma life. Dégage. Alors, waouh. J'ai eu deux bombes à slow là qui m'ont bloqué le passage. Il y a une pre-tress? Ah oui. She is down. Enemy down, man. Je me mettais là comme ça, moi il y avait. Oh putain! Mais moi je regarde le sol et il y a un ogre. Get out, man! Désamorce. C'est bon, l'ogre. On est plusieurs, ça désamorce. Oui. Quand on est plusieurs, ça désamorce plus vite. Merde, la prêtresse. Ah bah putain, ouais. De là à ce que la bombe nous apparaisse dessus. Tant mieux. Donc voilà, vous voyez, c'est désamorcé. Il faut un halo. Désolé de ne point mieux commenter la prison des vétérans. Mais bon, là, comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu chaud. Cela demande une certaine dextérité de pouvoir parler tout en jouant. Et puis, de toute façon, la précision, vous l'avez vu avant, dans l'espace aussi. Alors, ne faites pas trop les gourmets. La victoire. C'est fou comme ils sont gourmands sur Internet, tu as vu ça? Ils sont trop gourmands. C'est des croqueurs. Et l'autre, il est un peu trop bon. Qui ça? Merci Lion Loot, un mec, je crois qu'il est. Non, on a le cadeau là seulement. Tu veux le prendre cette fois-ci? Ils arrivent. Allez, vas-y. Désamorcer. Ah, il est là? Ok, tant mieux. Bah, tant mieux, hein. En fait, à 3 on aura plus de facilité. Bon, après, c'est pas comme si on galérait en 28, mais bon. Commenter en jouant, c'est vrai que c'est pas trop la journée. Oh merde, il y avait deux prêtresses ici. C'est un chassou. La bombe.
Ah ouais, ah, il reste 10 secondes. Je l'avais zappé. Ah, il y a des liens. La victoire. Moi j'ai plus de balles nulle part. Enfin, dans mon arme principale, si. Bon, ça y est, y a plus de bombes au moins. C'est quelque chose en moins dont on pourra s'occuper. Ah bah, c'est fini. Tant mieux. Modificateur retiré. Retournez dans le sas. Return to the lobby, motherfucker. Hein? Il a vraiment dit ça? Il a dit un gros mot. Putain, il est arrivé, il a fait zéro frag, il nous a sauvés. Il est fou. Comment t'appelles-tu, jeune ami? Arrête de bouger. Arrête de bouger. Créoles. Créole. Créole. Kellogg's. On dirait une marque de cornflakes. Quatrième manche. Comme le boudin. Les chutes de la bannière des jours sont en marche. Impressionnez-vous. Quoi que si, j'ai juste éternué. Ah, tu créoles. Bon, et là, c'est les déchus. Alors, d'habitude, c'est random, hein. Il se peut que vous tombiez deux fois sur la même arène. On n'est pas... Là, par chance, on a eu les quatre. Mais il m'est déjà arrivé de le refaire en 28 et de tomber, genre, deux fois sur la ruche. Bon, les premiers arrivent de ce côté. Ah, il le sait, en plus, il le sait. Il le savait. Non, en fait, c'est quelqu'un qui sait jouer, ça va. Enfin, il connaît les spawns. Il y a des bombes à slow partout. J'en ai marre de cette aide à la visée là qui vise autre chose que ce que tu veux viser. Oui, 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 parce que moi je ne vise pas les ennemis tout simplement. Il y a un vandal hein. Attends, mais je te visais toi. Pourquoi? Pourquoi tant de haine? Vous avez dégagé s'il vous plaît? Merci. Tiens, j'ai produit une orbe de lumière parce que je t'aime. C'est l'orbe symbolique. Oh, d'accord. Grenade activée sur le côté. Dégage. Get out of my way. Je vais rentrer dedans. Ouais, mais en plus ça nous blesse. Des ennemis. Ah non. Fais-moi ça. Moi j'ai pas eu de perte de life. Alors, ils sont là, ils sont là. Désamorcer les mimines. Oh là là, finis-en bien l'autre. J'y vais. J'y suis. On y est avec. Ah non, j'ai cru que c'était Kellogg's. Je vais l'appeler Kellogg's, ce sera plus simple. Moi Kellogg's. Ah, ok, Kellogg's. Bon, ce qui veut dire qu'après on a le boss stage et nous pourrons mettre un terme à cette vidéo. Et personne ne s'occupe de cette mine. Si, il y a Kellogg's dessus. J'arrive en slide diffusing. Quelle classe. Non mais en tout cas franchement ça offre vraiment un nouveau vent de fraîcheur quoi à Destiny. Vraiment je trouve ce mode super sympa quoi. En plus on l'a dans divers niveaux, je ne l'ai fait que dans les deux premiers, comme je vous ai dit, il y a 4 stages, 1 boss, dans le deuxième il y a 3 stages, 2 boss, qui sait ce que ça nous réserve à la fin. Tu as eu vent de quoi toi au dernier level, tu m'avais dit? Il me semble que c'est un boss mais genre avec plein de vivres, j'ai mis à peu près 40 minutes à faire. T'es sérieux? Ouais bon aussi peut-être parce qu'on n'a pas le end stuff aussi hein, c'est pas. Enfin moi je suis à peine 33 donc ça risque d'être un petit peu chaud team. Level 34 et... non le max c'est 35. On a 28, 32, 34 et 35 sur les 4 modèles. Donc est-ce que le niveau max c'est 35 ou c'est 36? Putain ça franchement j'ai complètement zappé. Tout le monde le dit mais bon personnellement j'ai jamais vu le. C'est 35 hein. Eh ben moi il me semblait que c'est 36, bon ben on verra, écoute. Oui non, remarque, à l'allure où ça monte, je pense que le max sera 35. Désamorcer les mines. Je veux dire, j'ai déjà 2 stuff sur 4 qui sont montés à fond.
donc. Ouais, t'es 33 aussi. Ouais, je suis 33, tu vois. Dégage. Oh putain, des Jean-Claude Vandal. Oh oui. Oh wow 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 wow. Non, non, faut pas que je reste près d'un spawn d'un capitaine qui a armure cryo plus vision. C'est pas le bon bail ça. Eh mais sérieusement, mais oh putain, ils sont tous autour de moi. Dégagez. Get out. Salut le rabu. Tout le monde fait. Dégage. Ah ouais mais ils sont partout. C'est fou. Je m'occupe des mines, ça. Bah tant mieux, ouais. Mieux vaut qu'il y en ait un qui s'en occupe hein. On fait les 3 sur 3 et... Oh bordel. Oh putain. Il s'était collé à moi le con. Voilà, ah, dégage. Ouais, je sens le galop. Ça c'est fou ça. Quand les capitaines ils te veulent, ils te lâcheront pas. La victoire. Voilà qui est fait de mon côté. Oh. Putain, il s'est, oh, il s'est TP quoi. Dégage. Modificateur terminé. Allez, c'est parti pour le boss. Les ennemis sont morts. Donc là, par contre, ce sera un stage au hasard qui sera choisi. Sachant que j'ai fait le Vex, on dirait une espèce de d'Athéon bizarre. On a fait. La ruche, on dirait un mini cropta bizarre. Et la cabale, c'est on dirait le centurion blanc qu'on a à battre dans le. Ouais. Voilà. Enfin, il a l'espèce de gros balai à chiottes là en demi-cercle derrière la tête. Comme les Spartiates. Et je n'ai jamais fait les déchus, donc je me demande sur quoi on va tomber. La dernière. On tomberait sûrement sur. Oui, voilà, un arconte de vie. Eh ben putain, attends, oh j'en parle, c'est les déchus ça. Mais oui. Ah ben voilà. Alors. Serviteur d'un catch déchu, ravagé par la guerre. Tadam. Oh un Cepix. Un œil. Mais c'est classe. Putain. Mais franchement, en plus je trouve ça tellement plus classe les Cepix. Bon allez, là on lui met session par contre. Je dis ça et j'ai plus de balles de gars là. Bon il va se TP encore je parie. Bon ça va. On lui a mis le quart là déjà. Ah mais c'est qu'il y a des ennemis. Ça m'aurait étonné sinon. Ah mais il se TP pas, il bouge pas, tant mieux. Ouais. Ouais. Ah ouais, 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 y a des vandales ouais. Là. Oh, ils sont ultra violents eux. Et il m'a fait reculer dans le sas. Fais du spawn kill. Faut que je cherche des munitions. Bon. Marre. Une cartouche. Finis-le. Moi je me fais tirer de partout. C'est pas ma guerre. C'est pas ma guerre. Ah bah si. Hein. Putain, je faisais exprès de rester dans les airs pour que ma grenade arrive. Merde, là je les chie. Autant des fois je réussis des espèces de pics monstrueux qui arrivent en plein dans la gueule des mobs. Mais là. Ah il a vraiment plus de vie, faut jouer sa life là, on s'en fout des autres. Ouais, je prends le marteau noir. Yes, c'est bon. Voilà. GG. On va réanimer. Ouais, ouais. Ah bah c'est bon. Des orbes pour monter son super. Ben voilà qui est fait. Pouvoir claquer ma clé. Yes. Oh mais c'est cool. Franchement parce que les Cepix franchement je les adore. Ils sont trop classe. Bon allez. Allons ouvrir nos coffres. Dans le sas. Et mettons un terme à ce test. Wouhou. Vous avez survécu à la prison. Tu as un peu trop chaud en fait.
Allez. Vous avez gagné le combat. Votre trésor vous attend. La salle au trésor. Bon, l'autre il viendra pas. Allez, toi t'as une clé, donc tu peux ouvrir le coffre du middle. Dans ma demeure. Allez, vas-y. Que je voie en bas à gauche de mon écran ce que tu as gagné. Normalement, tu gagnes sa courtoisie, engramme légendaire. J'ai aussi gagné un engramme légendaire. J'ai gagné mon amélioration de Yep. Ok, c'est cool. Donc j'ai eu le... Voilà. Ok, très bien. Bon, eh ben écoute, hein, ce fut pour moi du coup un réel plaisir de faire cette vidéo, cette deuxième partie de vidéo en ta compagnie. Ouh, ouh, j'ai verrouillé. Eh bien écoute, hein, merci à toi, et sur ce, je vais dire à tout le monde de bien se porter. Yes, oh. Une arme secondaire. Bien joué, bien joué. Donc du coup voilà, portez-vous bien, merci encore à toi Roms, et à ciao tout le monde.